Oui, Moussaillon, c'est Nakatine et bienvenue dans cette nouvelle histoire de champion. Aujourd'hui, vous avez voté pour l'histoire de Talia. N'hésitez pas d'ailleurs à voter en commentaire pour la prochaine histoire. Et aujourd'hui, je serai accompagné non pas de Shunrik, Nakid et Nadeshi, mais de ma copine qui fera les voix féminines de la deuxième histoire, étant donné que Nadeshi n'était pas dispo dans ce timing. Bref, comme d'habitude, on va d'abord découvrir la bio de Talia et on verra ensuite sa deuxième histoire. Et j'ai également eu une idée pour approfondir un petit peu plus les histoires de champions. Pour certains champions, on a des histoires beaucoup plus longues ou d'autres choses en rapport avec le champion que je ne traiterai pas en vidéo avant très longtemps. Si je traite ces histoires, c'est que j'ai fini toutes les autres histoires de champions de base, mais du coup, en attendant, je vous laisse ces histoires dans la description avec un lien que je baptiserai pour aller plus loin, qui vous emmènera vers les choses qu'on trouve d'autres sur le champion, comme par exemple la BD sur Lux, ou ici, en l'occurrence, la longue histoire sur Talia et Yasuo. Allez, assez perdu de temps, on se lance dans la première histoire. Façonner le monde avec un fil de pierre. Talia est une jeune magicienne nomade de Shurima qui manipule la roche avec énergie, enthousiasme et une détermination sans faille. Malgré sa jeunesse portée à l'émerveillement, elle a traversé par devoir presque tout Valoran dans sa quête pour comprendre et maîtriser ses pouvoirs. Mais des rumeurs persistantes évoquent la réapparition d'un empereur mort depuis des millénaires et elle revient chez elle pour protéger sa tribu du danger qui surgit une fois encore des sables inconstants de Shurima. Certains se méprennent sur son cœur tendre et la croient faible, mais ils paient leur erreur au prix fort. Sous son attitude joviale, Talia dissimule une volonté de fer et un esprit assez féroce pour faire trembler la terre. Née dans les contreforts rocheux qui bordent les confins corrompus d'Ikatia, Talia passe à son enfance à garder les chèvres au sein de sa tribu de tisseurs nomades. La plupart des étrangers considéraient Shurima comme un désert aride, mais sa famille éleva la jeune enfant en vraie fille des sables, sachant voir les beautés et les richesses de cette terre. Talia était fascinée par les pierres cachées sous les dunes. Dès sa prime enfance, elle collectionna les galets colorés sur la route des eaux saisonnières que suivait sa tribu. En grandissant, elle sembla attirer la terre elle-même qui se déformait pour suivre ses pas dans le sable. Après son sixième été, elle quitta un soir la caravane pour tenter de retrouver un chevreau qu'on lui avait confié. Déterminée à ne pas décevoir son père, maître chevrier et chef de la tribu, elle pista le petit animal dans la nuit. Elle suivit les empreintes dans un lit asséché jusqu'à un promontoire. Le chevreau était parvenu à grimper mais ne savait plus redescendre. La pierre parla alors à la jeune fille, l'incitant à former des poignées dans la paroi. Talia posa une paume hésitante sur le rocher. La puissance élémentaire qu'elle ressentit était aussi intense et frénétique qu'une pluie de mousson. Dès qu'elle s'ouvrit à la magie, cette dernière s'engouffra en elle. La pierre réagit à la pression de ses doigts et le promontoire s'effondra sur elle. Le matin suivant, le père de Talia, paniqué, suivit les bêlements affolés du chevreau perdu. Il tomba à genoux en découvrant sa fille inconsciente près d'un éboulement rocheux. Fou de douleur, il revint à la tribu, Talia entre ses bras. Pendant 2 jours, la petite fille s'agita dans la fièvre et les cauchemars, avant de reprendre connaissance dans la tente de Babajan, la grand-mère de la tribu. Talia commença à raconter à l'ancienne et à ses parents inquiets ce qui s'était passé pendant la nuit où la pierre lui avait parlé. Babajan consola la famille. Les dessins esquissés par les pierres prouvaient que la grande tisseuse, la protectrice mythique de la tribu, veillait sur la petite fille. À cet instant, Talia s'aperçut de l'inquiétude de ses parents et elle décida de cacher ce qui s'était vraiment passé cette nuit-là. C'était elle, et non la grande tisseuse, qui avait mû la pierre. Quand les enfants de la tribu de Talia devenaient assez âgés, ils accomplissaient une danse sous une pleine lune qui n'était qu'une manifestation de la grande tisseuse elle-même. La danse célébrait les talents naturels des enfants et faisait la démonstration des dons qu'ils apporteraient à leur peuple en grandissant. C'est ainsi que commençait pour eux le chemin du véritable apprentissage, sous la conduite de leur nouveau professeur. Talia continua à camoufler le pouvoir qui grandissait en elle, convaincue que c'était un danger et non une bénédiction. Autour d'elle, ses camarades d'enfance apprenaient à filer la laine pour protéger la tribu contre le froid nocturne du désert, à tailler et à teindre ou à tisser des motifs qui racontaient l'histoire de leur peuple. Souvent, la nuit, tourmentée par le pouvoir qui vibrait en elle, Talia s'agitait sans trouver le sommeil. Le jour vint où elle dut à son tour danser sous la pleine lune. Elle avait assez de talent pour devenir chevrière, comme son père, ou une tisserande expérimentée, comme sa mère. Mais elle craignait ce que la danse révélerait véritablement. Talia prit place sur le sable, entourée des instruments de son peuple. La houlette du berger, le rouet, le métier à tisser. Elle tenta de se concentrer sur la tâche qui l'attendait, mais elle n'entendait que l'appel des rochers lointains peignant le désert de couches colorées. Talia ferma les yeux et dansa.
Submergée par la puissance qui l'irriguait, elle commença à filer, non la laine, mais la terre sous ses pieds. Ce furent les exclamations stupéfaites de sa tribu qui la ramenèrent à la réalité. Une imposante tresse de roche s'élevait au-dessus d'elle sous la lueur de la lune. Talia regarda les visages choqués des gens qui l'entouraient. Seule sa concentration maintenait la tapisserie de pierre qui s'écroula brusquement. La mère de Talia courut vers sa fille unique pour la protéger des pierres qui pleuvaient. Lorsque la poussière retomba enfin, Talia vit la destruction qu'elle avait créée et la crainte sur les visages de sa tribu. Mais ce fut la coupure sur le visage de sa mère qui justifia ses plus grandes peurs. Ce n'était qu'une estafilade, mais Talia comprit à cet instant précis qu'elle était une menace pour les gens qu'elle aimait le plus au monde. Elle s'enfuit dans la nuit, si lourde de désespoir que le sol tremblait sous ses pieds. Son père la retrouva une fois de plus, un peu plus loin dans le désert. Ils s'assirent côte à côte dans la lumière douce de l'aube et Talia confessa son secret en sanglotant. Il répondit de la seule manière possible pour un père. Il la serra tendrement dans ses bras. Il lui expliqua qu'elle ne pouvait pas fuir son pouvoir, qu'elle devait terminer la danse et voir où cela la conduirait. Renoncer au don de la grande tisseuse était la seule chose capable de briser le cœur de sa mère. Talia revint vers la tribu avec son père. Elle entra dans le cercle de danse, les yeux ouverts. Elle tissa un nouveau ruban de pierre. Chaque couleur, chaque texture racontait un souvenir du peuple qui l'entourait. Quand son travail fut terminé, la tribu était émerveillée. Talia attendait nerveusement. Il était temps pour un adulte de son peuple de s'avancer et de devenir le maître de ce nouvel apprenti. Pendant ce qui lui parut des siècles, Talia n'entendit que des battements de son cœur. Puis elle perçut le frémissement de la terre quand son père se leva. Sa mère se tint debout à ses côtés. Baba Jeanne, la maîtresse des teintures, et celle des rouets se levèrent à leur tour. Brusquement, toute la tribu fut sur ses pieds. Tous se tiendraient à côté de la jeune fille qui savait tisser la pierre. Talia regarda chacun d'eux. Elle savait qu'un pouvoir comme le sien n'avait plus été vu depuis des générations, n'avait même peut-être jamais été vu. Mais si tout son peuple l'entourait d'amour et de confiance, l'inquiétude restait palpable. Nul parmi eux n'avait entendu, comme elle, l'appel de la terre. Bien qu'elle aimât profondément son peuple, elle ne voyait personne autour d'elle qui puisse lui apprendre à contrôler la magie élémentaire qui la traversait. Elle savait que rester avec sa tribu, c'était risquer la vie de tous ses membres. Malgré leur chagrin à tous, Talia dit adieu à ses parents et à son peuple, puis partit à la découverte du monde. Elle se dirigea à l'ouest vers les lointains pics de Targon. Son lien naturel avec la roche l'attirait vers la montagne qui crevait la voûte stellaire. Mais aux confins nord de Shurima, elle fut découverte par ceux qui marchent sous les étendards de Noxus. À Noxus, on fêtait les magies comme la sienne, lui dirent-ils, et on les révérait même. Ils lui promirent un professeur. Talia avait mûri, au contact de la terre, dans l'honnêteté et la confiance. Elle crut sans arrière-pensée les promesses doucereuses et les sourires fabriqués des dignitaires noxiens. La fille du désert se retrouva soudain sur une voie inflexible jalonnée par de nombreuses Noxtoras, les grandes portes de fer qui marquaient la revendication par l'Empire des terres qu'il conquérait. Dans la capitale, les masses de citoyens et les intrigues politiques furent vite étouffantes pour une jeune femme élevée sous les cieux ouverts du désert. On fit parader Talia dans toute la bonne société des mages de Noxus. Beaucoup s'intéressèrent à sa puissance, à son potentiel, mais le plus convaincant fut un capitaine au passé trouble qui lui proposa de la mener jusqu'à un lieu sauvage, au-delà de la mer, où elle pourrait apprendre à maîtriser ses capacités sans plus jamais avoir peur. Elle accepta son offre et traversa la mer jusqu'à Ionia. Cependant, le navire avait à peine jeté l'ancre qu'elle comprit la triste vérité. On l'avait conduite jusqu'à ce rivage pour servir d'arme à un officier déchu qui souhaitait reprendre son rang dans la hiérarchie de la marine noxienne. À l'aube, le capitaine lui offrit un choix, engloutir sous les pierres un peuple endormi ou être jeté à la mer. Talia regarda la baie. La fumée des âtres ne montait pas encore des cheminées du village assoupi. Ce n'était pas une leçon qu'elle était venue apprendre. Talia refusa et le capitaine la précipita par-dessus bord. Elle parvint à rejoindre le rivage et s'éloigna rapidement des combats qui commençaient sur la plage. Elle se mit à errer, perdue, dans les froides montagnes d'Ionia. Elle y rencontra enfin le mentor qu'elle avait cherché partout. Un homme dont la lame commandait au vent lui-même. Quelqu'un qui comprenait les éléments et la vertu de l'équilibre. Elle s'entraîna avec lui et commença à trouver le contrôle qu'elle désirait ardemment. Alors qu'il se reposait dans une auberge isolée, Talia apprit que l'empereur transfiguré de Shurima était de retour dans son royaume des sables.
D'après les rumeurs, l'empereur, devenu dieu, voulait rassembler les tribus dispersées pour les réduire de nouveau en esclavage. Même si sa formation n'était pas achevée, Talia savait n'avoir d'autre choix que de retourner vers sa famille pour la protéger. Le cœur lourd, son maître et elle se séparèrent. Talia voyagea jusqu'aux dunes de sable de Shurima. Tandis que les durs rayons du soleil la frappaient de nouveau, elle s'enfonça dans le désert, déterminée à trouver son peuple. Sa volonté était de granit, et elle était décidée à faire tout ce qui serait nécessaire pour protéger sa famille et sa tribu contre le danger qui menaçait à l'horizon. Voilà pour cette première histoire, je l'ai personnellement trouvée assez sympa et c'est cool d'avoir un petit peu des histoires de champions qui ont vécu une enfance dans la bienveillance de leur famille ou tribu. Faut dire qu'en général on est assez habitué au drame. Là pour le coup c'est juste Talia qui a peur de causer un drame et qui s'exile elle-même le temps d'apprendre à maîtriser son pouvoir. On apprend donc qu'elle est devenue l'élève de Yasuo, qui lui maîtrise le vent, et si vous voulez en savoir plus là-dessus, il y a une longue histoire sur Talia et Yasuo dans la description. En attendant, voici la deuxième histoire qui se passe après que Talia soit retournée à Shurima. Nos chemins ne se sont pas croisés par hasard. Talia distançait la tempête de sable quand elle remarqua l'eau pour la première fois. Au début, ce n'était pas grand-chose, une vague moiteur qu'elle percevait en soulevant les pierres depuis les profondeurs du sable. Alors qu'elle approchait du vieux Shurima, des filaments aqueux semblèrent pleurer sur les rocs. Talia savait que les pierres avaient des histoires à raconter, mais elle n'avait pas le temps de les entendre, de découvrir si c'était là des larmes de joie ou de tristesse. Quand elle fut assez près pour être recouverte par l'ombre du grand disque solaire, de l'eau souterraine commença à jaillir des affleurements rocheux comme de petites rivières. Et quand enfin elle atteignit les portes de la cité, Talia entendit le vacarme des torrents déchaînés roulant le long des lits de schiste. L'oasis de l'aube, la mer de la vie, rugissait sous les sables. Les membres de sa tribu suivaient les eaux saisonnières depuis des siècles. La meilleure chance de trouver sa famille était de suivre l'eau et, à la stupeur de Talia, l'eau de Shurima coulait maintenant d'une source unique, comme elle le faisait tant de millénaires plus tôt. Depuis aussi longtemps qu'on s'en souvenait, tout le monde évitait les vestiges tragiques de la capitale, autant que le grand Sai et les créatures mortelles qui chassaient là. Même les voleurs n'étaient pas assez stupides pour approcher de la ville. Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas. Talia fit s'arrêter la pierre qu'elle chevauchait, manquant de trébucher alors qu'elle renvoyait le roc trop brutalement sous la surface du sable. Elle regarda tout autour d'elle. La femme de Vekora avait raison. Ce lieu n'était plus une ruine oubliée, peuplée par des spectres et des herbes sèches. Le campement improvisé au pied de ses murs était palpitant de vie, comme une fourmilière avant un déluge. Ne sachant pas qui étaient ces gens, elle décida qu'il était préférable de ne pas trop se dévoiler. Toutes les tribus de sa terre natale semblaient présentes, mais Talia ne reconnaissait aucun visage. Les gens qu'elle croisait semblaient divisés. Ils se disputaient sur les avantages respectifs de leur campement temporaire et de l'abri que proposait la ville. Certains craignaient que la cité ne chute de nouveau, enterrant tous ceux qui se tiendraient entre ses murs. Certains, voyant approcher la tempête électrifiée d'éclairs surnaturels, croyaient que les remparts les protégeraient, même si le sable les avait naguère engloutis. Ils empaquetaient rapidement leurs affaires en jetant des coups d'œil inquiets vers le ciel. Talia avait elle-même remporté sa course contre la tempête, mais le sable allait très bientôt se déchaîner sur les portes. « C'est maintenant qu'il faut se décider. » Une femme l'appelait, sa voix presque couverte par le vacarme des eaux qui s'agitaient dans l'oasis et de la tempête qui s'approchait. « Tu entres ou tu t'en vas, ma fille ?» Talia se retourna pour faire face à la femme. Elle était de Shurima, mais pour le reste, elle lui était totalement inconnue. « Je suis à la recherche de ma famille. » Talia montra sa tunique. « Ce sont des tisserands. Le père Faucon a promis sa protection à tous ceux qui entreront dans la ville. » dit la femme. « Le père Faucon ?» La femme regarda le visage inquiet de Talia et sourit en lui prenant la main. « Azir nous est revenu en transfiguré. L'oasis de l'aube coule de nouveau. Un nouveau matin s'est levé pour Shurima. » Talia regarda les gens autour d'elle. C'était vrai. Ils hésitaient à s'enfoncer au cœur de la grande capitale, mais la peur qui déformait leurs traits tenait plus à la tempête surnaturelle qu'à la cité ou à l'empereur revenu du fond des âges. « Il y avait des tisserands ici, ce matin. » reprit la femme. « Ils ont décidé de s'abriter de la tempête à l'intérieur. » Elle désigna les files de gens qui se pressaient aux portes du nouveau cœur de Shurima. « Nous devons nous dépêcher, ils ferment les portes. » La femme prit Talia par le bras et la tira avec elle vers l'une des grandes portes de la capitale, au centre d'une foule d'étrangers qui, au dernier moment, avaient décidé de ne pas braver le sable sans abri. Mais quelques groupes restaient pourtant massés près des bêtes placées en cercle,
Déterminée à affronter la tempête comme toutes les caravanes de Shurima le faisaient depuis toujours. Au loin, des éclairs étranges et menaçants crépitaient aux confins du tourbillon. Les vieilles traditions des caravanes de Shurima risquaient fort de ne pas survivre à cette tempête inhabituelle. Talia et la femme furent emportées par la foule au-delà du seuil doré qui séparait Shurima du désert. Les lourdes portes se refermèrent dans un grand bruit. La gloire impressionnante de l'ancienne Shurima se dévoila sous leurs yeux. Je suis sûre que ta tribu est quelque part dans la ville. Presque tout le monde est resté près des portes. Peu sont assez braves pour s'éloigner. J'espère que tu trouveras ce que tu cherchais. La femme lâcha la main de Talia et lui sourit. Je te souhaite ombre et eau, ma fille. Ombre et eau à vous aussi. La femme disparaissait déjà au sein de la foule. La cité silencieuse pendant des millénaires était de nouveau pleine de vie. Des gardes casqués surveillaient en silence les nouveaux citoyens de Shurima, drapés dans des manteaux d'or et de pourpre. Aucun problème n'était perceptible, mais Talia ne pouvait s'empêcher d'éprouver un malaise. Elle s'appuya de la main contre le mur. Elle poussa un cri. La pierre palpitait sous sa paume. La douleur, une terrible douleur, aveuglante, la submergea. Des dizaines de milliers de voix étaient gravées dans le roc. La peur et les tourments de leurs derniers instants, avant que leur vie ne soit fauchée et leur ombre saisie dans la pierre, hurlaient dans la tête de la jeune femme. Talia arracha sa main au mur en titubant. Elle avait déjà ressenti des vibrations dans la pierre, des réverbérations de souvenirs effacés depuis longtemps, mais rien qui ressemble à ce qui venait de l'assaillir. La muraille de pierre venait de lui transmettre le récit du passé. Les yeux grands ouverts, elle observa la ville avec un regard neuf. L'horreur s'empara de tout son être. Elle n'était pas dans une ville reconstruite. Elle était dans un tombeau exhumé des sables. La dernière fois qu'Azir avait fait des promesses au peuple de Shurima, cela leur avait coûté leur vie. « Je dois trouver ma famille », murmura Talia. Et voilà pour cette deuxième histoire, un petit peu plus vénère que la première, où on en apprend plus sur la position de Talia par rapport à la résurrection d'Azir, etc. Talia a pu ressentir tout ce qui était gravé dans la pierre au moment où Xeras a fauché la vie de tout le monde en trahissant Azir et en faisant tomber la grande cité de Shurima. Je vous invite à aller voir du coup, si vous les avez pas encore vues, les histoires de Renekton, Azir, Xeras, Nasus, etc. qui sont sur la chaîne. Elles font partie de mes premières histoires, mais c'est des histoires que je trouve vachement intéressantes. Ça nous parle de l'ancienne Shurima, etc. Et du coup, Talia nous apporte un regard un peu plus neuf sur tout ça, et c'est assez intéressant. Bref, en tout cas, j'espère que l'histoire vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si ça vous plaît, à voter pour le prochain champion que vous voulez voir en histoire en commentaire, à vous abonner si c'est pas encore fait, à passer sur les lives, vous avez tout ça en description. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à plus, et je flash out.